Allez, on est parti pour faire en gros le niveau qui est moyen, et donc le combien on va s'écrire par ça, et on y va. Cela tout c'est craft, Lego Craft, on est là pour un épisode sur Garfield Matofu, vol 2, qui est normalement épisode 5, et du coup c'est parti pour faire le moyen. S'il te plaît, choisis un niveau. Clique 1 pour facile, 2 pour moyen, et 3 pour difficile. J'essaierai de t'assister. Je regroupe une liste des éléments pour constituer le chat parfait. Recherche. Parmi plus de 200 sous-espèces de félins, la suite correspond à tes critères. S'il te plaît, choisis l'élément. Alors, œil, queue, rugissement, nageur, oreille, tête. Lui. Igor, pars pour trouver l'élément parfait du chat. Oh, et pendant que tu y es, rapporte-moi quelque chose de bon. Un chat doit manger. La plus belle chose au monde, c'est le chocolat, non? Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le chat sauvage européen. Ces chats sauvages ne sont pas les mêmes que les chats sauvages. Ces chats sauvages sont une espèce de chat sauvage. Cela est peut-être difficile à comprendre, alors laisse-moi t'expliquer. Voilà. Tous les chats qui vivent dehors, sans l'aide des êtres humains, sont appelés sauvages. Mais les chats sauvages sont une espèce à part de chats. Veux-tu faire avec moi une partie de boule de chat hirsute vomissant? Allez, on y va. On y va pour le niveau moyen. Allez, boule de poil hirsute. Non, je ne peux plus tousser. Allez, boule de poil hirsute. Non, je ne peux plus tousser. Non, je ne peux plus tousser. Allez, boule de poil hirsute. Attention, attention! Les capteurs m'indiquent l'imminence d'une invasion rusée. S'il te plaît, prépare les ballons. Peux-tu aider Garfield à repousser l'attaque des Nerman? Utilise ta souris pour te déplacer en avant ou en arrière et pour placer Garfield sous les Nerman. Et alors, clique pour cracher en avant une attaque mortelle de ballon. Joyeuse attaque! Ouais, bon là, je vais essayer un peu plus de me concentrer parce que là, j'étais pas concentré et c'est pour ça que je me suis pris le cœur. Et littéralement, bien sûr, Garfield n'arrête pas au coup de l'échec du jeu. C'est dégueulasse. Bon, allez, on y va. On se concentre un peu plus, là. Et gare au cœur, par contre. C'est bon. Tu es en bonne voie pour devenir un roi de la tour. Esquive. Et le dernier. On va plutôt commencer par ceux qui sont là. Non, pas cette fois-ci. Par contre, on va plutôt se contenter de la première ligne. Non, allez, boule de poil hirsute. Laisse-moi recommencer. Voilà. Et hop. Descends trop vite! C'est bon. Tu es en bonne voie pour maintenir ton score. Maintenir, je pense pas, mais au moins je peux dire éliminer. Voilà, je suis là, j'ai carrément avalé le cœur. Hein. On recommence. Et hop. Voilà. Tu es un as de la tour. Voilà, réglé. Tu es en bonne voie pour devenir un roi de la tour. Et hop là. C'est bon, je tiens. Tu es un as de la tour.
attention. Et ok, j'ai encore avalé un cœur. Bon ok, dernière vie et ensuite basta. Nice. Tu es un as de la pluie. Oh. Allez, toi tu dégages. Toi tu dégages. Et le dernier. Parfait. Tu es un as de la pluie. Hop. 3000, Seigneur. Je suis un as de la toux. Je suis un as de la toux, oui. Et donc j'ai perdu là. Essaye encore une fois. Non, je ne peux plus tousser. Exactement. Je peux plus tousser là. En plus, j'ai un putain de caca dans l'œil. Hein. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Le carassal. Igor, cherche l'élément du chat le plus parfait. Légumes verts, donne-moi faim. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le caracal. Si la proie qu'il mange est trop importante pour être ingurgitée en une seule fois, les félins, comme le caracal, enfouissent le reste de leur repas dans l'herbe haute pour le garder pour plus tard. Le caracal est également très connu pour faire preuve d'une grande agilité et d'un saut remarquable pour attraper les oiseaux juste dans leur envol. Je me sens une envie de jouer à habiller le bon arrière. Bien sûr. Rendons la grosse tête chic. Désolé. C'est pas pour moi, grosse tête Zia. Bien sûr. Rendons la grosse tête chic. Désolé. C'est pas pour moi, grosse tête Zia. Non, pas pour cette fois-ci. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Lui. Igor. Ramène-moi l'élément le plus parfait. Bien, pour la salade au poivre. Maintenant, apporte-moi un steak au poivre. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le léopard moucheté. Le léopard moucheté est un très bon grimpeur grâce à ses chevilles flexibles et à sa queue extrêmement longue. Il peut courir le long des branches des arbres pour attraper ses proies avec ses dents extrêmement longues. Le léopard moucheté tient son nom des taches blanches sur sa fourrure, qui ressemblent à des mouches. Veux-tu faire avec moi une partie de boule de chat hirsute vomissant ? Non, on l'a déjà fait. Allez, boule de poil hirsute. Non, je ne peux plus tousser. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Lui. Vas-y, Igor. Ils ont oublié d'enlever le bec. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage. Le Manul. En Asie centrale, où vit le Manul, il peut faire très froid. Sa longue fourrure épaisse et son corps trapu l'aident à garder son corps au chaud. Le Manul n'aime chasser que la nuit, et donc, il passe ses journées à se reposer dans des petites grottes ou dans des trous sous les rochers. Tu as soif ? C'est sûr, je me sens comme une bulle de gaz. Non, je préfère me faire craquer les doigts.
Oh, le soda shaker. Donc là, c'est carrément le truc là, il faut faire un peu comme... Enfin, c'est carrément le truc du mini-jeu là, où c'est un truc, ça tournerait, il faut essayer de trouver le bon. C'est sûr, je me sens comme une bulle de gaz. Est-ce qu'un bon rafraîchissement ne serait pas le bienvenu maintenant, Docteur Frankenchat? Nos amis au trône de Hordy ont un excellent conseil pour vous. Le mélange automatique va vous offrir 4 canettes de soda à choisir. Oh, j'aurais oublié de vous dire que la machine allait secouer toutes les canettes, sauf une, et qu'ensuite elle les mélangerait toutes. Après qu'elles aient été mélangées, clique sur celle qui n'a pas été mélangée pour donner à boire à Garfield. Rappelle-toi de jouer, pas de vaporiser. Et là, le but du jeu, c'est de trouver la bonne canette capable de secouer. Tu es en bonne voie pour maintenir ton score. Donc là, si vous voulez le principe, c'est hop, les canettes, ensuite ça secoue, ça secoue, ça secoue. Donc celle-là, c'est celle qui est bonne. Ensuite, ça tourne. Et du coup, c'est celle-là. Tu es en bonne voie pour maintenir ton score. Ok, c'est celle-là. 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 Tu es un as de la toux. Tu es un as de la toux. Allez. Ok, c'est celle qui se trouve tout à droite. Celle-là. Tu es en bonne voie pour maintenir ton score. En soi, par contre, ça donne soif. Hein. Ok, ceux qui sont là. Celle-là. Tu es en bonne voie pour maintenir ton score. Tu es un os de la toux. Celle-ci. Tu es en bonne voie pour devenir un roi de la toux. C'est celle-là. Là. Bon, là, après, c'est... Tu voilà es tout. En bonne voie pour maintenir ton score. Bon, après, voilà tout. Mais bon, je vais quand vous montrer ce qui se passe si vous perdez. Ok, t'as lui. Ok, c'est celle-là. Celle-là. Ma grand-mère serait mieux rentée que toi. C'est sûr, je me sens comme une bulle de gaz. Non, je préfère me faire craquer les doigts. Bon allez, on rentre et voilà. Avec un coup de pied au cul en plus. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Bon, après j'avoue qu'on a fait tous les mini-jeux. Mais après on est quoi sur la difficulté, si vous voulez, moyenne. Ça va être autrement, du coup, voilà. Igor, ramène-moi l'élément le plus parfait. D'ici pour avoir de la sauce de cacahuète. Scanning. Ramène le chat à la vie sauvage.
le margaï. Les margaïs sont aussi connus sous le nom de chats tachetés à longue queue. Ils sont très agiles pour grimper aux arbres. Ils ont des pieds flexibles et des doigts qui leur permettent de sauter d'une branche à l'autre très facilement. Tu es prêt pour une partie de tir au poulet? Bien sûr! Montre-moi le poulet! Non, pour cette fois, je te laisse courir le poulet. Bien sûr! Montre-moi le poulet! Bien sûr! Montre-moi... Ne sois pas une poule mouillée! C'est l'heure de la chasse à la volaille. Edgar Phil a lancé le poulet avec son lanceur en direction de la cible sur le mur. Pour viser, déplace ta souris de droite à gauche et de haut en bas. Observe le compteur de puissance en tenant appuyé le bouton de la souris. Lâche le bouton lorsque tu as atteint le niveau de puissance que tu veux utiliser. Gagne des points bonus en lançant le poulet par la fenêtre. Remarque qu'aucun poulet animé n'a été blessé pendant la préparation de ce jeu. Bon allez, on y va, et ben ceci, la cible, quand elle bouge. Du coup, là. Ça, c'était de la volaille en action. Là. Non. Hop là. Là. Oula, trop fort. Et alors, on attend qu'il repasse. Là. Putain. Non, trop tôt. Essaie encore. Bien sûr. Montre-moi le poulet. Allez, on recommence. Ceci, on fait un peu mieux. Mais bon, en tout cas, si vous voulez, voilà un peu pour ce mini-jeu. Un peu trop tôt. Trop tôt. Laisse-moi lever un peu, et hop. Là, je jette littéralement tous les poulets en dehors. Après, c'est clair que la fenêtre, c'est beaucoup plus marrant parce que c'est clair que ça te fait rapporter plus de points. Et là, je suis en train de faire un enchaîné. Hein. Là, c'était trop, hein. Essaie encore. Non. Pour cette fois, je te laisse courir le poulet. Affiche des éléments supplémentaires. S'il te plaît, choisis l'élément. Alors, pour les yeux, on va prendre qui? Bon, allez, le tigre. Vas-y, Igor. Mon royaume pour une boulette de viande. Canine. Ramène le chat à la vie sauvage. Le tigre. Bien que beaucoup de gens pensent que le lion est le roi de la jungle, c'est le tigre qui est réellement le plus grand et le plus fort de tous les félins du monde. Ce qui en fait le véritable roi. Pourquoi le tigre a des rayures de différentes couleurs? C'est pour mieux l'aider à se cacher derrière les arbres et dans l'herbe haute
et lui permettre ainsi de se faufiler pour attraper ses proies. Bravo, Dr. Frankenchat. Iger a eu le symbole de toutes les parties nécessaires pour construire le chat parfait. Il va maintenant révéler ta création. Mauvaise espèce, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, là j'ai refait pareil, hein. Et donc normalement j'avoue que là, on a vu tous les mini-jeux. Tout. Et donc voilà pour le principe. Bon, allez. C'est la fin de cet épisode donc sur Garfield Matofu. Like, comment, partage, mettez quelque chose sur Twitter, TikTok. Ouais, et bien sûr là quand on va parler dans Matou, c'est là où t'as toutes les races de chats qu'il y a. Tout. Nos amis les félins. Bon. Allez, moi je joue, c'est tchuss. Donc normalement je crois que l'épisode 6, donc le prochain épisode, sera normalement le dernier de ce volume 2. Et ensuite on va passer au volume 3.